Salut, petit tuto pour stream Fallout et puis avoir un jeu propre quand on a deux écrans. Donc c'est tout simple, il faut aller sur le jeu Fallout, clic droit, gérer, parcourir les fichiers locaux. Là, ça nous ouvre l'explorateur de fichiers. Et dedans, on a F1 ResConfig. Donc c'est tout simplement le patch haute résolution qui est bien dans les fichiers Steam, hein, il n'y a rien besoin d'installer, mais qui n'est pas activé de base. Donc on double-clique pour l'ouvrir. Donc là, dans Fallout US V1.1, vous avez Respatch, vous, ça va être en Disable. Et donc, il va falloir cliquer sur Enable, ici. Ça va être en gris, noir. Et quand vous l'aurez activé, ça va être comme moi, en bleu. Et ça va être écrit The Respatch is Enable. Moi, je n'ai pas pu le faire là maintenant, parce que ça me noircit la capture. Donc, je l'ai fait au préalable. Ensuite, vous. Changer la résolution, moi je mets le maximum. Vous cochez Window Head, Scaling x2, voilà, vous faites Done quand c'est fini. Tac, comme ça enregistre. Vous recliquez une deuxième fois dessus. Et là vous allez dans Manually Editing, Edit Config. Ici, vous avez Window Head Full Screen avec une valeur de 0, vous mettez 1. Ensuite, Fichier enregistré. Vous fermez, tac. Et normalement, là, c'est bon. On peut lancer Fallout. Et on va voir la bonne résolution. Des fenêtres à la bonne taille, pas tout riquiqui. Voilà. Quand on regarde dans les options, screen setting, je suis bien en 2560 par 1440. Et c'est pas minuscule. On peut mettre en 1280 par 960, voilà. Hop, ça ne change rien à la fenêtre. Parce que celle-là, elle est vraiment toute petite et illisible, et tout le reste du jeu aussi, si on n'a pas fait ça au préalable. Hop, je remets ma valeur, moi. Voilà. J'espère que ça vous a aidé. À bientôt.